La place des quinconces est la plus grande place d'Europe occidentale. Jusqu'au XVIIe siècle, il y avait ici un château, le château Trompette. Aujourd'hui, sur cette même esplanade des quinconces, deux statues se font face. D'abord, celle de Montaigne, le grand écrivain de la Renaissance, l'ancien maire de Bordeaux, et puis celle de Montesquieu, le philosophe, le grand juriste de la nation. Plus bas, les colonnes rostrales dominent les quais et la Garonne. À l'opposé, c'est la fameuse colonne des Girondins, dont la réputation dépasse largement le cadre de la ville. Cette colonne se compose de deux bassins ornés de magnifiques chevaux en bronze. La colonne fait 43 mètres de haut. Au sommet, domine la statue en bronze de la Liberté brisant ses chaînes. Un coq gaulois représente la France. Il a le torse bombé, les ailes déployées. L'ensemble fait 54 mètres de hauteur. Cette colonne a été construite entre 1894 et 1902. Elle est un hommage au parti des Girondins qui, pendant la Révolution française, fit preuve de modération. La plupart de ses membres furent guillotinés sous la Terreur. Cette œuvre d'art est une des fiertés de la ville.